Fermeture du bureau de poste à Grosbliderstroff, faute de fréquentation, à la place, deux points relais ont été créés à proximité. 85 000 Ukrainiens accueillis en France depuis le début de la guerre. Pour les aider à s'intégrer, le Greta Lorraine Est propose des cours de français. Pour ces réfugiés, il est nécessaire de trouver un travail pour s'intégrer. Tatiana exerce en tant que coloriste dans un salon de coiffure messin. Et puis les Sarreguemines l'auront remarqué, de nombreux travaux sont entrepris par la ville en ce moment, notamment la rénovation du pont des Alliés, un axe très fréquenté. Renforcement des ponts menant à Sarreguemines, cette fois la phase de reconstruction a débuté et la circulation est toujours coupée. Mieux connaître le renard, ce mammifère bien présent dans nos forêts, le collectif Renard Grand Est est intervenu à travers l'association Happy Cool pour sensibiliser les enfants à l'école de Sourthe. Et enfin, on reviendra sur la performance de l'équipe de France de volley sourd aux Deaflympics qui se sont déroulés du 1er au 15 mai. C'était au Brésil.